Salut à tous, allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7 sur PS5, toujours avec le TGT2, cette fois je vais jouer à la palette, parce que j'ai pris une supercar de 3ème génération de McLaren, conférant une nouvelle carrosserie légère avec son moteur en position centrale, et avec son V8 double turbo de 3,8 litres développant 600 chevaux avec une vitesse maximale de 320 km/h. Elle fait en moins de 10 secondes le 0 à 200. La MP4 12C de 2010. Allez, on essaye cette McLaren. Donc j'ai pas gagné cette course. J'espère qu'avec ça, je vais gagner. Elle est complètement d'origine. Je ne l'ai pas touchée. Et elle fait 609 chevaux. Donc ça dépote. Hein. Allez, c'est parti. Alors là, si on n'arrive pas à gagner la course avec ça, vous voyez, ça dépote le machin. Cette McLaren magnifique. Ah ouais, ça marche. Là, je pense qu'on n'aura pas de difficulté d'être premier. On va essayer de faire quelque chose de propre quand même. Ah ouais, ça dépote quand même. Ouah, comment c'est parti. Faire très attention avec les rapports, pas trop passer en sur-régime parce que vous partez vite en toupie. Thank you.
sont énervés, hein. Je vais vous dire que j'ai pilé là. Je me suis emballé un peu. C'est passé. Que c'est puissant, hein. 600 chevaux, plus de 600 chevaux, le machin. Faut le dompter, hein. Je trouve que ça tient pas bien la route par contre. Et voilà pour cette fin de course avec cette McLaren MP4. Magnifique. Donc je vous mets la rediffusion. Allez, c'est parti. On verra mieux cette McLaren. Donc c'est de 619 chevaux. Et 100 V8, double turbo. Alors après, je trouve que c'est pas très agréable à conduire. Ça tient pas la route. Après, on sent de la puissance, hein, quand même. C'est dès qu'on rentre dans les tours. On sent les turbos se déclencher. Vous voyez avec ce petit aileron qui se lève, magnifique. Bon, c'est en mode expert, mais bon, vu la voiture qu'on avait, c'est normal qu'on termine premier. Il n'y a pas trop de grosses difficultés là. Même si elle est d'origine, déjà, ça développe pas mal de chevaux. Alors sur le dernier tour, là, j'ai essayé un peu d'y pousser, mais bon, j'ai manqué de me planter à un moment donné, hein. Je suis rentré un peu fort. J'ai voulu y rentrer un peu dans les tours, mais on s'emballe un peu vite avec ces voitures-là.
Ah là, ça passait pas, il valait mieux freiner. Il vaut mieux être patient et attendre la bonne opportunité. Ça marche avec sa Mercedes, c'est aussi devant. Regardez, là, il me tape derrière. Et là, sur le dernier tour, à un moment donné, je me suis enflammé. J'ai tiré un peu sur les rapports. Et j'ai manqué me planter, mais grave. Là, à un moment donné, là, je me suis enflammé. J'ai dit, ça y est, là, je me suis pris pour un pilote. Hein. Et là, j'ai failli me planter. Hein. Et voilà pour cette fin de course avec cette McLaren MP4. Donc je vous laisse là-dessus. Merci déjà de m'avoir suivi. Puis j'espère à bientôt. Merci à vous.